2022, you had an opponent change at the last minute and you didn't miss a beat. What positives are you going to take away from this one? I think that we play well. This is just the second time that we play together, so I think this was a good doubles. Heureusement, j'ai pas trop parlé, j'ai pas trop dû parler, mais en plus, je comprenais pas tout ce qu'elle disait, la fille. Parce que tu sais, avec l'accent, le micro et tout dans le stage. Heureusement que la fille avec moi, elle était américaine, puisque là, j'étais pas très sereine à voir. C'était gênant. J'avais vite hâte que ça se termine. Parler anglais, ça nous ouvre sur le monde et ça nous permet, en tant que joueur de tennis, de progresser. Puisque ça nous permet de comprendre les grands champions quand ils parlent à la télé, de comprendre évidemment les interviews. Pour l'anecdote, moi je suis arrivé à l'Open d'Australie 2008 et j'étais 50e mondial, mais je venais tout juste d'arriver dans le top 100 et je me suis retrouvé catapulté sur le central en finale contre Novak Djokovic. Et à la fin du match, c'est la cata. J'ai aucun moyen de m'exprimer. J'ai envie de dire des choses. Il y a beaucoup d'émotions. Et finalement, je dis pas grand chose et je passe un peu à côté de mon moment. I'm sorry for my English, but I think I play better tennis than I speak English. Et c'est vrai qu'après coup, je me suis dit maintenant, je vais m'y mettre et je vais commencer à parler anglais, du moins essayer déjà de bien le comprendre pour pouvoir exprimer quelques mots à la fin du match sur mes sentiments et les émotions que j'ai vécues. C'est sûr que déjà sur le circuit c'est compliqué déjà pour pouvoir parler aux autres filles ou même aux arbitres. Enfin, c'est vraiment hyper important. Quoi. Bonjour. Vraiment pourri. Je sais pas parler anglais. Enfin, j'ai quelques mots, tu vois, mais. Alors que je me déplace tout le temps, mais je sais pas parler les langues. Tu sais, tu te prends un peu. Enfin. T'es un peu débile parce que l'autre, elle te parle, mais tu peux pas lui répondre. Tu demandes à ton coach, mais c'est difficile quand même. J'arrive pas. C'est vraiment hyper important quoi. Mais bon après, pour l'instant nous les Français on est quand même assez en retard par rapport aux étrangers. Moi je me souviens que quand on faisait des tournois jeunes comme au Petit As ou des trucs comme ça, les étrangers, mais ils parlaient déjà hyper bien anglais quoi. Peut-être pas bilingue mais presque. Ils étaient tout petits et nous on comprenait rien quoi. Donc même là encore maintenant on parle pas hyper bien anglais. Comparé aux étrangers, ils sont déjà bilingues, ils comprennent tout. Voilà. Quand j'ai appris qu'on allait nous aider en anglais, pour les interviews, pour plein de choses, moi j'étais trop contente en fait. Je me suis dit que c'est que du plus, c'est trop bien, surtout qu'on est plein de jeunes. Du coup, ouais, c'est trop bien. Quoi. Ah ouais, carrément.